Salut les amis, c'est Gaël Play. On se retrouve pour la suite de notre Let's Play sur The Fashion. Donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien. Alors les amis, comme vous avez pu voir dans l'épisode dernier, nous avons fait du relooking des mannequins, mais du coup, en hors caméra, il y a 30 secondes, attendez, je mets pause. Je m'ennuyais en fait, et avant de commencer, je me disais que ça faisait un peu vide. Donc du coup, j'ai fait une tenue d'hiver pour homme. Une tenue d'été pour homme. J'ai fait deux tenues pour aller en boîte de nuit pour homme. Et j'ai fait quatre nouvelles tenues pour femmes et deux pour femmes et deux pour hommes. Deux robes de soirée. J'ai fait ces deux-là et j'ai fait ces deux-là pour un mariage ou un événement dans le genre. Excusez-moi, je tapais dans le micro. Et je lui ai fait une nouvelle tenue à Kim, ouais. Ouais, c'est bien ça, c'est Kim. Kim, je lui ai fait cette nouvelle tenue et j'ai modifié la tenue qui était sur ce mannequin. Vous vous rappelez, c'était une longue robe noire qui arrivait à peu près jusqu'ici à motif et je l'ai retirée en fait parce que je voulais un truc qui fasse plus été. Donc, on va ouvrir le magasin, les amis. Allez, c'est parti. Allons-nous voir des clients. Donc, nous avons 100 points. Et j'avais dit que c'était paiement plus rapide que j'avais acheté, je crois. Je sais plus. Allons-nous avoir des clients? Parce que je vous rappelle, les amis, que je ne peux toujours pas faire de publicité. Parce que, ouais. Truc. Je peux toujours pas faire de publicité, donc c'est assez chiant. Attendez, je vais voir peut-être en essayant de. Voyons voir si je peux. Non, je peux vraiment pas du tout en vrai. Je sais pas ce qu'elle a, elle est déconnée. Elle est buggée cette partie sur cette partie-là. J'ai toujours mes employés, normalement. Ouais, deux. Faut que j'essaie de débloquer le troisième employé. C'est bon. Je me dis, il n'y a pas de son. Spino? Yeah, fruit. Salut le client. Ça lui va plutôt bien. Je crée de chaud, les amis. Alors, je suis désolé si vous entendez le ventilo. Mais j'ai pas envie de mourir de chaud et de transpirer pendant toute la vidéo. Surtout mourir de chaud. Transpirer, ça passe, ça oui. Forcément. Alors. On va pouvoir formuler sa vente. Hop. Oh. Alors, sans enthousiasmer à propos du magasin. Discuter des préférences d'achat. Allez, hey, dépêche-toi. Ce serait bien si toi aussi tu pouvais. Parce que d'un moment. Ah, voilà. Hop, vas-y, arrive. Voilà, hop. Je devais te confier quoi comme tâche? Répondre aux questions des clients. Bon, ça, c'est fait. Donc voilà, il est où le roux? Je sais pas où est le roux. Il me manque un employé. Ouais, il me manque un employé. Il me manque Sébastien Joly. Ah non, il est là. Pause. Qu'est-ce que je peux te faire faire? Non, tu vas répondre aux questions des clients. Il est où lui? Là. C'est quoi qu'il veut acheter? Il veut acheter ça, forcément. En fait, ce qui me paraît dans les Sims, les amis, quand vous tenez un magasin de vêtements ou de meubles, peu importe, c'est qu'ils vont regarder une tenue et en fait, c'est là que la. Tu crois qu'en fait c'est la tenue qu'ils ont regardée qu'ils vont acheter, mais non, c'en a une autre en fait. Alors, dépêche-toi. Hop. Donc, remplacer la tenue. Il a acheté une tenue de soirée. Juste savoir, est-ce que ça m'a enlevé ou pas? Non. Non, parce que des fois, ça arrive que j'ai. À un moment, je sais pas pourquoi ça m'a fait le coup, que quand je lui ai mis la tâche à elle d'actionner, de répondre aux questions des clients, et ben, tout simplement, ça m'avait enlevé ce fait-là. Parce que
que là-bas au fond, ils sont tous les trois en train de discuter. Attendez, voilà, j'irai. Rishi Pando. Bon, on va essayer de faire avancer elle. On va faire la même chose pour les deux. Non, je suis pas là, tu es là, toi. Alors, je dis à tous mes amis qu'ils devraient essayer de se faire embaucher ici. C'est le meilleur travail que j'ai eu de ma vie. Tout ce qui concerne ce travail me plaît, j'ai des frissons d'enthousiasme rien que d'y penser. Ok, d'accord, si tu le dis. Est-ce qu'ils, du coup, ils ont plus de tâches? Bah si. Oui, ils agissent juste comme ils veulent. Ah non, il y en a un qui travaille et elle... Je sais pas ce qu'elle fout. Ah non, c'est bon, il retourne. Non mais j'ai pas demandé que vous discutiez entre vous. Putain, ça me saoule. Alors. Ah voilà. Vous pensez que c'est laquelle des tenues qu'elle va acheter? Moi je pense que c'est une des deux. Bon, lui, c'est une tenue de soirée qu'il va acheter, forcément. Non, mais c'est là que je t'ai dit, tenue. Moi, je dis que c'est celle-là. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, remplacer la tenue. D'abord, on va acheter... On va lui faire payer le machin. Non, s'il te plaît, bloque pas. Allez, bloque pas. Non. Pause. Attendez, deux secondes, les amis. C'est bon. Oup. Je regardais que ça n'avait pas bugué. Parce que ça sera assez chiant. Alors, hop. On cassait l'argent du client. Il n'y a qu'une seule personne qui... Oui. Alors, il est bientôt 19h. On va bientôt fermer le magasin. Alors, parce que de toute façon, bientôt, il y a tous les deux qui vont se plaindre comme quoi qu'ils font des heures supplémentaires. Allez, dépêche-toi. Les dépenses. On a dépensé 525 et on a gagné 560. Donc. Allez, viens ici. Bon, après celui-là, on va fermer le magasin, les amis, et on se retrouve chez elle. Bon, on a perdu plus d'argent que quand on en a gagné. Mais ça, c'est ce qui est chiant, c'est que... Hop. N'empêche, les amis, je préfère la vente de vêtements sur les Sims 2. Parce que sur les Sims 2, ce qui était cool, c'est que quand vous aviez des badges de vente, de coiffure, de robotique et tout, et en fait, quand vous aviez le badge de vente à un certain niveau, en fait, vous pouviez conseiller en fait les Sims et en fait leur choisir leurs propres vêtements en fait. Vous vouliez que c'est habillé comme ça et coiffé comme ça, bah, si vous aviez les bons niveaux, bah, vous pouviez en fait les conseiller. Bon. Après celui-là, on va se laisser ici. On va se retrouver. Bon, les amis, on se retrouve chez elle. Bon, maintenant que ça, elle va vite aller aux toilettes parce que je crois qu'elle va se pipi dessus sinon. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Est-ce qu'il reste des plats? Ouais, il reste des hot dogs. Est-ce qu'elle va y aller? Vous savez quoi, mes amis?
Je vais lui acheter un tapis de course. Parce que j'ai l'impression qu'en vrai, ça aide pas du tout à maigrir. C'est quoi? Hop. Alors, activité compétences, sport. Ça là, bon, c'est pas grand chose. Et après, tu vas aller t'entraîner. Après, tu n'auras plus qu'à aller dormir. Parce que là, je sais pas si vous avez vu, les amis, moi j'ai vu quand j'ai fait sa tenue. Je trouvais qu'en fait, elle avait vachement pris, mais des hanches en fait. Pas du ventre. Pas trop de ventre, elle a pris. Pas trop, elle a un tout petit bidon qui commence, mais ça va, ça, avec le sport, enfin le partir. Mais j'ai l'impression qu'elle avait pris vraiment des hanches, regardez. Les hanches qu'elle a. Je trouve qu'elle a des hanches, mais vraiment énormes en fait. Je sais pas si c'est moi la poitrine, j'ai l'impression qu'elle a grossi de la poitrine aussi. Mais après, je me rappelle pas d'avoir fait une aussi grosse poitrine. Je me rappelle d'avoir fait une poitrine, pas non plus une poitrine petite. Je me rappelle d'avoir fait une poitrine assez jolie et des fesses assez bombées. Mais je me rappelle pas d'avoir fait une si grosse poitrine. Et surtout les hanches, je trouve que, et même les cuisses, je trouve qu'elle a pris vachement des cuisses en fait. Elle a pas pris du ventre, mais elle a pris des cuisses en fait, des cuisses et des hanches. Tu m'expliques? Bon, elle va aller se coucher, on lui fera faire le sport le lendemain, après le petit déjeuner. Y a-t-il des événements? C'est quoi ça? Soirée en ville. Ah bon, on pourra aller au restaurant? Avec qui? Avec qui on pourra aller au restaurant à ce moment-là? Elle n'a pas d'amis, très peu d'amis. Faudrait qu'elle se fasse des amis. C'est bien en hors caméra, les amis, je lui créerai des amis. Je lui ferai des amis en hors caméra. Alors, va t'amuser. Si ça t'aide, hop. Ça, ça. C'est quoi? On va lui faire jouer un jeu après. Ça la distraira plus. Un peu, si vous parlez. Bon. Allez. Bon, les douches, ça monte, ça monte. Donc c'est... Ça tenait avec son pantalon. Ah, donc faut qu'on paye les factures. Ouais. Ça va, on dépense pas trop. Bah, faut dire on dépense pas trop parce qu'on est quasiment jamais à la maison. C'est pour ça surtout qu'on dépense très peu. Alors, ça c'est bon. Elle va payer ça. Vous savez quoi? On va aller à la convention geek, les amis. Allez. On va y aller avec. Bon, on va y aller tout seul parce que les autres ne m'intéressent pas. Allez. Bon. Nous y voilà, là, les amis, je veux dire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire? Bon allez, on va les rejoindre. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait, c'est qu'on peut, pour le festival, la convention des geeks, c'est dommage qu'ils n'ont pas fait, vous saviez, genre qu'on peut porter des cosplays, des costumes en fait, pour faire comme si on venait, comme si on était des cosplayers en fait, ça aurait été cool. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait. J'aime bien. Il y a 4 personnes là, mais il y a que 3 personnes ici. On m'explique? Ah, les Sims. Ah oui, les amis, si vous avez peut-être vu tout à l'heure, j'ai réinstallé le mode extrême violence. Je l'avais avant et je l'ai supprimé. Mais si vous voulez que je vous fasse une vidéo dessus, une seule vidéo, hein, par contre. Ce serait genre une vidéo bonus. Elle est bien comment, celle-là? Mais la vie est comment? En fait, si on n'aurait pas ça, là, toi aussi il serait rouge, imaginons, rouge et noir. Et tout le reste serait en noir, ça pourrait faire genre une reine de l'espace alien. Vous savez, avec le maquillage, si elle avait un joli maquillage qu'elle avait. C'est quoi ça? Non. Non, on peut explorer l'espace?
Non. Ah mais ça je vais le garder. Je vais la prendre la photo. Ah non les amis, j'ai jamais vu celle-là. J'ai jamais vu cette fusée. Alors pourvu qu'elle marche bien les amis, parce que je vous rappelle que l'une des morts dans les Sims, je crois, c'est quand la fusée s'écrase sur Terre. Y a un faux machin et en fait elle revient et elle s'écrase sur Terre. Une fois en orbite, Kim reçoit un étrange message de la station spatiale internationale des Sims. Il est vraiment brouillé et relativement incompréhensible. Kim décide d'aller voir ce qui se passe. Je vais aller voir. Hein. Jamais. Alors, y a rien d'autre qui est passionnant. C'est juste dommage, je vous ai dit qu'ils n'aient pas créé, vous savez, genre pour cet événement, que quand vous y allez, en fait, ça se passe genre qu'ils aient créé une genre de salle. Comment ça? Une salle genre, vous savez, une salle genre de salle des fêtes, autre truc dans le genre, tu vois. On va essayer d'appeler grâce à la radio. Ok. Une pierre spatiale commune. Bon, bah. Si elle veut. Bon. Elle peut réapparaître par contre. Non, vous êtes sérieux, elle réapparaît pas. Oh bah ok. Si tu veux. Oups, attendez, combien de temps les amis restent-ils ensemble? Ça va bientôt être là, les amis. Bon, les amis, on joue avec un fantôme. Je peux même pas cliquer sur elle en plus. Ouais. Je peux même pas cliquer sur elle. Ah les amis, je sais pas si vous vous rappelez, dans les Sims 2, il y avait des télescopes. C'est dommage d'ailleurs qu'ils l'ont pas laissé. Juste des télescopes. Et en fait, dans les Sims 2, si vous exploriez le jour, le télescope, en fait, vous aviez des fois chez vous, un de vos voisins qui débarquait et qui venait pour vous gifler en fait, parce qu'il vous avait vu observer chez lui en fait. Elle atteint le niveau 2, d'accord, tu le dis. Bon. Alors les amis, le temps. Canicule. Ah oui les amis, je vais voir si ça se fait ici. Non, ça le fait pas ici. Non. Parce qu'en fait dans le Decay Challenge, les amis, j'ai, comme vous avez pu le voir, j'ai réduit les jours en fait de saison parce que ça me saoulait en fait. C'est pas que j'ai envie que le challenge se fasse vite, au contraire, j'ai mis une espérance de vie assez élevée. Mais le problème, c'est que ça m'énerve en fait, c'est que je ne peux pas. Comment on dit ça? Excusez-moi. J'ai. Merde, j'ai perdu le mot. Voilà, je n'ai pas envie de. Envie de. Que ça dure. Les saisons durent des mois en fait. Pour certains événements, j'essaierai de me débrouiller à faire en sorte que telle ou telle saison corresponde, genre Noël. J'essaierai bien que j'espère, je vais tout faire pour essayer de le faire correspondre le jour que ça sorte à peu près au moment de Noël. Voilà. Genre Halloween, c'est pareil. Là, je suis en été, je vais passer en automne, je crois. Mais voilà, vous inquiétez pas, je vais tout faire pour que ça corresponde. Donc voilà. D'ici que j'arrive à Halloween, je serai déjà peut-être revenu en automne. Ou si je serai pas revenu, j'ai déclaré l'automne grâce à la machine à contrôler le temps. Bah, les amis, c'est ici qu'on se laisse. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer les petites cloches pour savoir toutes les vidéos qui sortent. Allez, excusez-moi. Allez, en description de vidéo, il y a le lien vers la page Facebook et la page Twitter. Allez-y pour savoir toute l'actualité de la chaîne. Et moi, ça veut dire que je vous aime et ciao dans le prochain épisode.